Merci beaucoup. C'est clair, non? Et puis, n'oublie pas, demain aussi, avant de partir là-bas, bien entendu, ou comme tu veux, tu prends la moto et tu pars chercher ton chèque pour aller prendre tes 15 millions pour la boutique. D'accord. Ça marche, non? Oui, ça marche. Je te signe le chèque et puis c'est clair. Ok. C'était quoi ton bagarre avec Titi là? Il est simplement demandé de m'aider à soigner mon impuissance à cause de sa salaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? D'aller me faire voir ailleurs. Si tu savais qu'à un certain moment, moi, je t'envie, quoi. Mbola Sababia. Mamia Bipuglia. Ndaten Mfuri. Nkien Hadinou. La yam mwen bala hayeti. Yam lehmi tuan parba ya na. Yam mwen bala hayeti. Parba nou patron ya la. Nou agye dramen. Hein, le la mam ibo le ti waya. Tom daten yaka la jak. Nan yaka portien ma zak. Astaghfirullah. C'est Yankar Zaki, il y a Ligidi. Ni Charles Payankar Zaki. T'as pas Yankar Zaki. T'as abandonné ton portable ou quoi? J'ai sonné plusieurs fois, on ne décroche pas. Ah oui, c'est vrai. Je suivais les discours du député à la télé. Ah bon? Ah, tu sais, le député. C'est mon gendre. C'est le mari de ma fille. Ah bon, je savais pas. Eh ben, un homme intègre, un homme exceptionnel. Depuis qu'ils sont mariés, ma fille ne s'en est jamais plaint. Non, mais c'est bien ça, elle a de la chance, ta fille. Ben voilà. Oui, mais attends, ce type, c'est qui? Ah, c'est mon cousin. Ton cousin? Oui. Eh oui, c'est mon cousin. Tu commandes tout ce que tu veux, hein? Hein? Il n'y a pas de problème. Ouais. Non, comme les enfants ont l'habitude de le dire, hein, c'est pas pour me vanter, mais je ne suis pas petit l'homme, quoi. Oui, je sais. D'accord, moi, en boisson, je vais prendre un jus de fruits. Un jus de fruits, ça te va? Oui, ça va. D'accord, mais tu peux commander à manger. Tu es carnivore ou végétarienne, je sais pas. Végétarienne, mais il n'a qu'à nous amener la boisson d'abord. D'accord, ok. Quoi? Maman? Où est la vieille mère? Biga. Ouais? Mana. Ah! Yon, tiens, nous, y'a même tu voulais qu'on nous donne. Aïe! N'y a pas de temps. Le portable va pas là. Bon, vieille mère, moi, je suis là. Je me dis que je suis marché. Je vais te dire quelque chose. Il faut que je me dise. Bon. Il faut que je me dise que je suis un vieux père. Je suis un tardé. Je suis un vieux père. Bonjour, la grosse infirmière. C'est bon. Gagne une bille pour y aïe. Pourquoi la mère me le fonde de Bézinine? Gagne, il est passé en faux paroi. Tiens, on sert pas gomme, faut gomme. Faut que la vente ou bien qu'elle te pas gomme de fidèle. Tiens, on sert vraiment. Faut aller. Qu'est-ce que c'est? Vous me souvenez, maman. Pourquoi est-ce que vous avez oublié? Ni s'en fait là, ou pas? Gagne, il est un peu de bois salé. Juste pas mental, je ne sais pas si pour avoir un jour, je ne sais pas. Tiens, on sert vraiment. Mais maman, pas oublié, ça va. C'est pas parlable. Il y a rien de là pour pas t'aller, n'est-ce pas encore? Tu sais, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment les avions. Je te disais ça la dernière fois. J'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai fait 7 ans. Après les 7 ans, je suis arrivé dans mon pays. J'ai voulu rendre service à la nation. Ah, c'est bien. Et je n'ai pas voulu faire la politique parce que ce n'est pas ma tasse de thé. C'est mieux d'ailleurs. Ouais, donc, je me suis dit, je vais travailler pour mon peuple. Et quand je vois des avions qui décollent comme ça, mais ça me fait quelque chose. Bien, je ne te dis pas. Hein. Surtout que tu es dans les domaines. Absolument. Donc. C'est pourquoi la dernière fois, je te disais, le jour où ça t'intéresse de voyager, honnêtement, tu n'as qu'à me faire signe. Ok, y a pas de problème. En première classe, et tout ce que tu veux, franchement, c'est calé. Hein. Et surtout, sur toutes les compagnies, il n'y a pas de panique. Ah bon? Chef d'escale, c'est pas petit l'homme. Ouais. Comme le, tu sais, les garçons qui le disent dans la rue, c'est pas petit l'homme. Oui, ça se fait. D'accord. Je me dis qu'il est temps maintenant de partir. Oui. C'est la note, monsieur. Oui. 40 000. Vous avez vu, mon Dieu? Oui, c'était chouette. Non, c'est vraiment délicieux. Hein. Excellent. 40 000, ça, c'est pas un problème. Je pense même que vous aurez un pourboire. Ok, merci. Et qu'est-ce qui se passe?
D'accord. Je comprends pas. Je n'ai plus ma carte maïtique. Je ne sais pas où je l'ai laissée. Ça devient compliqué, hein. Ça fait combien, tu as dit? 40 000. Mais c'est pas un problème, on va gérer. On va gérer. Oui. Mais Titi, est-ce que vous savez que Titi veut me tuer? Titi, tu peux me tuer, franchement. Ouais, tu m'étonnes à tout moment. tu vas t'en occuper? C'est pas un problème. D'accord. Voilà, mais ne t'en fais pas, hein. Tout ça, c'est remboursable. Voilà. Merci. Et la monnaie, c'est pour vous. Hein. Merci. Regardez, hein. Merci. Allez, au plaisir. Hein. Merci. Ce fut un plaisir. Titi, vraiment, je ne sais pas comment faire. Non, c'est rien, toi. Oui, ça me parle. Hé, hey, Titi, d'accord. Mais dis-moi, comment t'es venue? Je suis venue en taxi. En taxi, d'accord. J'appelle mon chauffeur. Viens te chercher. Ah, oh, mais le salopard, il décroche pas. Mais c'est bizarre, hein. Je l'appelle, ça fait 2-3 fois. Non, mais c'est pas grave. Hein, ça va aller? Oui, ça va aller. On va aller partir en taxi, y a pas de problème. D'accord, mais dis-moi, franchement, tu n'oublies pas, hein, pour ce que je t'ai dit, là, la vraie partie, le film. Y a pas de problème. Parce que, non. On prend un clin d'œil ou quoi, et puis on se voit. Apparemment, tu es pressé, hein. Non. Tu as envie de me quitter de ce temps? Non, pas du tout. Tu sais, en ta compagnie, je me sens comme un charme. Hein. D'accord. Ok, allez. À nous, hein, toujours. D'accord. Ok. Mon bébé, on va faire comme ça. J'espère que tu as bien mangé, hein. Bien sûr. Tu as passé une bonne soirée. Bien sûr, à ta compagnie, oui. Ok. Ah ouais. Mon amour. Amda, comme ne faut penser d'ailleurs là. À Titibi. Il y a là. Bon, mané, qu'est-ce que là? Ah, j'aime Hamla, il y a l'autonome, il y a bizarre. Voilà, pour pour de mam, il y a l'ouzorti, c'est la nama de mam. Aïe, la mam, il y a une députée, la députée au coin, il y a une pile. La mam, il y a une mam, il y a une mettava. Il y a une pile, il y a une pile. Il y a une pile. Là, il y a un petit peu de bon, là, il y a un petit peu de temps. Il y a un mini au pig. Bon, là, je suis là. 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 Je la soukou ligdo la yassi anki le mani watum ha manda rana ba kazem si zem sambal lam datam to man tam bo mini on ko aye mini on ye mene député banan ton to mni on te député ida la ida la rana ba yo wa député bon ça hauteur nambo tu ko on passe 1 500 000 li nan kou député. Ah, nan taxe nge ho. Nan taxe ya. Am nan wan bo li. Bo ta ya. Tam nan tien am. Yel kabe. Ça va? Oui, ça va. Je voulais te dire là, tu veux créer un embouteillage ou quoi? C'est ça. Tu as tout compris. Tu sais, ce vieux douanier là, il me fatigue. Matin, midi, soir, il m'appelle. Titi, tu Titi, tu tout le temps, c'est comme ça. Le soir, là, j'ai tout fait pour caler un rendez-vous entre lui et son gendre. Oui, oui. Ils vont se croiser à la même heure. Oui. Comme ça, tu récupères le vieux là. Oui. Pour m'aider ça avec les gendres là, moi, je m'en occupe. Il n'y a pas de problème. Non? Oui, oui. Tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis fatiguée, quoi. Toujours, il m'appelle pour une histoire de 2 millions. Tu me. Je sais pas, quoi. Ah oui. Hein? Ah, chérie. Oui, comment tu vas? Ah. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour. Oui, bonjour. C'est comment? Oui, je suis encore là. Tu veux quoi? Je veux juste la clé de la moto, je vais faire des courses et puis revenir. Pourquoi tu es comme ça? Toujours tu viens prendre la moto. Laisse ça. Hein? J'ai seulement un petit rendez-vous, je pars, je reviens tout à l'heure. J'espère confiance. Que c'est pas pour aller prendre tes petites filles en ville là. Pas du tout. Toi aussi, laisse ça. D'accord. Et puis tu ne dures pas, hein? Non, pas du tout. T'as pas de problème. Ok, tiens. Ok, merci. Allez, bye bye. Voilà, tout à l'heure. Tu aimes tout ça. Ok. Ok, salut. Salut. C'est qui ce mec là? Tu le connais pas? Non. C'est mon chéri. Un bon? Il est beau, hein? Ça, tu peux le dire.
Tu le vois comme ça, là. C'est son tout qui est là. Au lit. Il est d'une nudité absolue. Il connaît rien. C'est ça qui m'intéresse. Regarde, c'est joindre à moi. Hein. Je n'aime pas ça. Ah non, je t'en prie. Ton sais, club rouge, sais. Là. Ah oui, je t'en prie, là. Tu sais que je suis plaisante. Ah, c'est comme ça, faites vous prenez garde de vos camarades. Tu sais que je, les hommes, c'est pas mon affaire. Bon, laisse ça. Ok. C'est qu'on a dit, là. De ce pas-là, je vais m'échanger. Tu vas t'échanger, puis on se retrouve au rendez-vous. D'accord. Parce que ce vieux, là, il faut que je me débarrasse de lui, quoi. Tu fais tout ce que tu veux avec lui, tu as compris, non? D'accord, je vais aller m'échanger, et puis on se retrouve là-bas. Voilà. Non, c'est nickel, là. Ah, oh, je compte sur toi. Allez, bye bye. Okay. Bisous, bisous. Allô, Roberto. Hé, hey, mon frère. Comment ça va? Odigwe. Ça va bien? Ouais, tranquille. Là. Mais comment tu as fait pour savoir qu'elle avait de l'argent pour t'offrir ce pot? Qui ça, la Woody, là? Oui. Non, en fait, tu sais, je t'avais pas dit une partie, là. Le premier jour qu'on s'est vu, elle sortait d'une banque. Donc, tout de suite, par réflexe même. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de bizarre. Hein. Souvent, mais je sens l'odeur même de l'argent même dans la poche de quelqu'un. Ouais, propre. C'est tout de même risqué. Je sais, mais tu sais, c'est les gens de femmes. Elles ont un gars ici, deux gars ici. Ça veut dire tout, dans tous les quartiers, ils ont des gars. Donc, c'est pas un problème d'argent. Personne n'était grand. C'est pas n'importe qui comme nous, des ouya-ouya comme ça, non? C'est ça. Donc, il y a compris. Dis-moi un peu. Hein? Et la partie des gens en l'air, comment tu t'en sors? Mon grand frère, souvent, il rentre dans les détails. Vous pouvez de toute façon expliquer. Mm-hmm. Moi, il y a un objectif. Oui. C'est-à-dire, mon objectif, c'est pas le sexe ou quoi. Moi, c'est l'argent que je veux. Mais dans un premier temps, je tente de la conquérir. Et tu vas le dire. Mm-hmm. Dès qu'elle est conquise, son cœur est pris, il n'y a plus de problème. Donc j'ai son cœur et puis son argent. Donc elle a confiance. Et tu vas le dire. Sacré Roberto. On est ensemble là. Chef d'escale. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas petit l'homme. Ça a été dit ça.